Hey yo, salut à tous, c'est Keys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo PVP afin de vous donner votre petite dose quotidienne de sang, donc voire de très très bons dommages. Et aujourd'hui, franchement, il y a de très très bons dommages à avoir. On va tester un petit jack fort sympathique qui est tout simplement la faux maudite du seigneur guerrier. Donc un jack avec 5 lignes de dommages très connues, très populaires comme corps à corps. On m'avait proposé de jouer avec l'épée, en gros, on a vu en live. Qu'il y avait des trucs très sympathiques à tester. On a bugué un peu sur la faux maudite parce qu'en gros il y avait un almanach aujourd'hui où pardon, les familiers donnent x2, donc on ne le savait pas, mais on pensait que ça donnait aussi x2 en colis. Donc on s'est dit putain, ça serait fort intéressant de tester ce cac et tout en colis vu qu'on aurait 80% de chance de crit, ce qui est le cas actuellement. On a 84% de chance de crit, donc ça aurait été fabuleux. Malheureusement ça ne marche pas en colis, mais on reste sur du 69%, donc ça reste cool. Et comme le but c'est de faire de gros CC et de faire de bons gros dommages, on est présent. D'ailleurs, en ce moment je fais pas mal de vidéos PVP avec la panoplie Triton, enfin les trucs un peu strigides, tout ça, tout ça. En ce moment je suis en train de farmer pas mal de donjons, donc j'accumule pas mal de ressources qui vont me donner énormément de kama. Donc prochainement, je vais sûrement faire des vidéos mono-éléments ou avec beaucoup de gros stats, ce qui devrait changer un petit peu. Donc si vous avez des classes que vous souhaitez voir, genre Héliotrope, il y a l'Héliotrope qui me chauffe pas mal. On m'a proposé ça tout à l'heure en voie feu, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me le dire, je peux en faire une de temps en temps, ça pourrait clairement se tenter parce que là j'aurai beaucoup d'items à disponibilité d'ici 3-4 jours grand max. Après, comme je l'ai dit, si vous avez d'autres classes, n'hésitez pas, ou juste d'autres modes de jeu en mono-élément avec un gros corps à corps très très bourrin. Donc là, le stuff utilisé c'est un stuff full triton avec deux items strigides, Baglorson et la logie pour les 11-6, les Sidophus, le Catalamacna et le Coculte. Donc le but pour faire simple c'est de bon mettre un gros coup de faux et de couper la tête à notre adversaire. Tout simplement. Donc on a 11-6 avec quelques stats, donc j'ai priorisé pas mal la voie force car la faux possède la ligne neutre et la ligne terre, ce qui est pas mal du tout. Ensuite en initiative on a 2400, ce qui va pouvoir nous aider à commencer en premier, et surtout 187 de dommages critiques, je sais lire, hein. Non, 177, c'est juste que là il y a le x2 du petit familier. D'ailleurs n'hésitez pas à farmer tous vos boss, c'est ce que je fais actuellement vu que tous les familiers sont x2, hein. Tout ce qui est Nutrof, Retrépem et tout, c'est vachement pas mal. Et sur ce, ce que je propose, c'est qu'on aille directement tester ça sur un petit putsch. Alors, on est face à ce petit bro. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit tour de jeu très basique. On a quelques raises, hein. On a quand même 13, 23, 27, 36, 40, 24, pardon. Donc ça reste à peu près potable. Après, c'est vraiment genre le mode de jeu fun pour s'éclater, hein. Le but, c'est pas spécialement viable. Ça peut être amusant, ça se joue en PVM. Bien sûr, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, je joue la faux maudite sur mon Zobal, tout ça, tout ça. » D'ailleurs, j'ai hésité à la faire avec cette classe-là. Mais c'est pas le must. En PVP, ça, on va pas se mentir. D'ailleurs, elle est où ma maîtrise? J'ai déjà fait, my bad. On va puissance. Ensuite, on va claquer Nufur, parce qu'on a rien à faire de notre vie. Tiens, hop, ça fait quelques dommages. Et là, nous, ce qu'on attend, c'est de voir la prévisu des dommages avec ce fabuleux corps à corps. Donc, on est sur du 1964 à 3167 jusqu'à 4700 à 6012 en cas de CC. Donc, on peut voir des dommages juste insane. 84% de chance de crit aujourd'hui parce qu'il y a l'almanax. Donc franchement, ça a réussi, on voit des dommages juste de l'espace, donc clairement, en vidéo PVP, je peux vous le dire, ça, c'est fun, j'ai pu le tester, j'ai pu mettre quelques dommages sur divers personnages, et clairement, ça fait pas mal rire, quand tu poses le bon, tu mets un coup de faux, franchement, c'est terrible. Du coup, on se trouve tout de suite contre divers adversaires. Alors, on enchaîne sur un premier combat, face à un Xelor Foulagi. Donc on va faire un petit tour de jeu simple, basique et efficace, à base de vitalité. Une petite intimidation des familles, puis on va passer. Alors, il a des bonnes... Oh, il a de très très bonnes résistances. 14, 37, ça, tout ça, donc... ça a bien tanké notre petite faux maudite. Donc, à voir combien on va taper après ça. Il se met le cadran. Ce qu'on va faire, c'est... je voulais souffler et tout, mais je pense pas que c'est un gré l'intérêt. Il va se booster en balle. Il a clairement raison, hein. Il a vraiment raison pour le coup. D'ailleurs, petite pause, j'en profite juste pour vous dire, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la chaîne, à vous abonner, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et là, sur ce, on reprend tout de suite. Prémonition, donc c'est-à-dire qu'il va jouer juste ici. Est-ce que je peux le pousser pour le gêner? Non, dans tous les cas, il va être ici en fait, donc ça changera rien. Il va être boosté comme un taureau. Donc pas de réel intérêt pour nous. Maîtrise d'armes. On va se puissance, on va mettre l'accumu. On va faire un tour de jeu très simple, très basique. Il y a le clé qui est quoi juste avant? Prémonition. Retour spontané complice, synchro, donc je sais pas s'il y a un rollback, mais on va faire ça dans tous les cas, au cas où, par précaution. Mettre une intimidation. On va passe tour, dommage que je n'ai pas crit. Je boostais de combien là?
10%, non, moins 10. Ok, j'ai l'ébène qui va augmenter mes dommages, tout ça. On va pas ce tour, il nous fait quoi de beau? 14 PA, donc il peut venir nous chercher sans aucun souci. Il se fait le contre, naturellement, ce qui est très très désagréable pour nous. Il va se mettre ici, frappe d'Uxelles, même pas désincarnation. Oh, je ne connais même pas ce soir. Je ne connais pas ce soir. Retour spontané, pourquoi faire retour spontané, tiens? Pourquoi ça? Je fiche pas trop l'intérêt d'en faire un retour spontané pour le coup là, je dois avouer. Prémonition. Aïe aïe aïe, ça va le mettre très très mal. Ça va le mettre vraiment très très mal. Clepsydre. Il a pas fait de Rambo, donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Ça, y a pas à dire, c'est super bien. On va claquer la fureur pour se booster, bien entendu. Et là, le petit coup de cac. Petit crit, 2500, on prend extrêmement cher dans la gueule. Ça, y a pas à nier. On a pris super cher. On va se remettre ici. Je sais pas si ça change quelque chose, mais bon, on va se mettre là dans le coin. On proc 2 paix en plus, on n'a pas claqué la précipitation. Dans tous les cas, je doute qu'on l'aurait tué. Quoique, moi je pense pas. Une table du 31, la 16 PA là, il va me charcuter comme jamais charcuté. Hein. Il a juste à me debuff, ça, tout ça, il peut me mettre extrêmement cher. C'est quoi ça? Distorsion temporelle. Ok. Flétrissement. Pelle course sombre. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu ce fabuleux corps à corps, tiens. Ça fait bien longtemps que j'avais pas vu ce petit cac. Je pensais qu'il jouait avec la montage, mais absolument pas. Par contre, ce qui est regrettable, c'est que ce Xel là, je pense qu'il a pas vu, mais j'avais une vitalité sur la gueule. Et bah malheureusement, le Vita, il m'aurait debuff, il me l'aurait tout simplement enlevé. Donc ça, c'est assez désagréable, enfin c'est assez regrettable pour lui, je pense. On a la fureur, je sais pas combien on va taper. Oh, on tape pas spécialement beaucoup. Le comte devrait pas me tuer logiquement. Exactement, ça joue pas grand chose. On va passer pour qu'il proc l'ébène. Et on va gagner, mais à un petit poil de coucougnette. Du coup, on enchaîne sur un deuxième combat. On enchaîne pour un deuxième combat. Alors cette fois-ci, on va affronter un Kra. Donc il n'y a pas de Defus Ivoire. Il a moins de résistance, donc on va espérer pouvoir faire un petit bond corps à corps, ce qui serait juste génial. On a fait notre petit tour de basique, notre petit tour basique de heal, de boost. On a fait aucun CC avec la divine malheureusement. Ce Kra, 24, 22, 18, 29, 27, 32 récrits, donc franchement on est plutôt bien. Son élément, j'avoue que je ne pourrais pas trop le dire, il ne joue pas à J déjà, ça c'est sûr à 100%. Il n'y a pas chipoté. Peut-être qu'il joue haut, vu les dommages qu'il propose à côté avec la super Q. Ça, je sais pas du tout, je sais pas comment ça tape ou quoi que ce soit. Ok, on va essayer de se rapprocher un petit peu de ce Kra. Se mettre... Ouf, ça c'est la terrible question qu'il faut se demander. Je vais me mettre ici, je pense. Je pense que c'est pas mal, s'il veut me choper, il faudra qu'il avance de 3 cases. Je sais pas. Je pourrais me mettre ici, ça l'obligerait à venir ici s'il veut m'enlever... Mais s'il veut mettre, comment s'appelle, pesanteur, est-ce que je pourrais le choper? En soi, je pense pas que je pourrais le choper. On va rester ici dans tous les cas, on verra bien comment ça se passe. Au pire, tant pis. Hein. Faut juste pas qu'il me pesanteur, mais je pense qu'il le fera. Au pire, s'il vient ici pour me choper, bah tant mieux. Ça serait juste exquis. Maîtrise de l'arc, tir critique, flèche harcelante. Je peux pas me prononcer, mais ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. Sachant qu'on est sur une petite vidéo fun où on veut faire des gros dommages. Ah, il va mettre la pesanteur là. Ça sent un peu... Oh, même pas. Il joue bien flotte, hein. Il joue bien flotte, ça, c'est sûr à 100%. Maintenant, c'est validé. Là, ce qu'il faut sauter, les gars, on va prier les dieux. On a 69 chances de crit. Donc, le dieu lyonnais est avec nous. On peut mettre un coup de faux à 1472, qui serait juste ridicule. Ou 2900 à 3874. Là, ça serait juste divin. On a toutes les choses qui sont orientées pour qu'on fasse un bon gros rox, donc on va prier. Ça passe, 3593. Ça, c'est juste exquis. Normalement, je suis en mesure de tanker son tour de jeu, sachant qu'il joue pas avec de Defus. C'est vrai qu'il n'est pas très très optime. Le but de ces petites vidéos, c'est des petits trucs détente. Vous travaillez, vous voulez peut-être votre petite dose de sang, voire de bons gros dommages bien épicés. Et là, j'essaye de vous apporter ça. Par contre, là, le Krao Magnétique, c'est vraiment très intéressant. Entre parenthèses, c'est vraiment très très bon. Peut-être que j'en ferai une vidéo, si vous voulez une vidéo Krao PV, enfin Krao Bagatique, n'hésitez pas, ou Yop O. D'ailleurs, je pense faire une vidéo Yop O soon, comme je commence à avoir des kamas, vu que je fais un bon gros rush kama. Là, on fait pas mal de vidéos PVP, je sais, avec le panoply dommage critique. Si peu en énerver plus d'un, je conçois la chose. Donc, il y a fort à parier que je switch peut-être sur autre chose, et pourquoi pas... Il est où mon déferlement? Et pourquoi pas tester sur un petit Yop O, ça m'attire pas mal, j'ai envie de voir le potentiel de la chose.
on va mettre un coup de cac et on savate ce petit crâne. Donc si vous souhaitez voir un petit Yopo comme je viens de l'énumérer, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, bah, c'était Keys. J'espère que cette petite vidéo PVP avec la faute du Seigneur Guerrier vous aura plu. Et je vous dis tout simplement à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.